Mais non, mais ferme là. Mais tu crois que ce qui les intéresse, c'est de voir ta gueule? Mais non, c'est moi, c'est mes vidéos qui les intéressent. Mais si. Ouais, bonsoir. On revient témoigner là pour donner un petit peu des nouvelles du confinement, parce que ça va bientôt se terminer là et on entre dans la dernière semaine et nous tout se passe bien, hein, franchement. Bon, tu vas rester combien de temps dans la salle de bain là? Alors qu'on sort pas! Je pense qu'on aura vécu ce confinement comme un retour à nous, à nos plus belles années, je pense. C'est encore sale là. Mais non, t'as pas passé l'aspirateur! Mais ne rétro pas! Je voulais revenir aussi sur le fait que, oui, on nous a demandé. Tais-toi. On nous a demandé. On dirait qu'elle a des bleus. Mais en fait, c'est pas des bleus. C'est du maquillage. En fait, c'est pour s'apprêter, parce que c'est important de s'apprêter aussi, même en étant confiné. Hein. C'est quoi ça encore, celui qui n'est pas fait? Ça m'énerve! Ouais, et puis on va être content de retrouver une vie classique après le 11 mai. Et comment ça sera pas la même chose? Mais si, bien sûr que si. Non, parce que on nous préparait une crise économique et que quoi? Et qu'on nous a menti sur le corona pour le. Mais tais-toi, ma pauvre femme, mais t'y connais rien. Oh là, ben là, tu vas passer pour une conne, tout simplement. Mais comment ils ont menti avec les médias? Oh, mais là, tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Ben, comment veux-tu mentir à des millions de personnes, des millions de Français? Voilà. Déjà, est-ce que tu sais, déjà, mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est 1 million déjà? Alors, des millions de Français. Putain de merde.